Hier encore, t'es une grosse réunion qui est organisée dans le Conseil sécurité des Nations Unies sous dossier Haïti. Dossier intervention militaire que Ariel Henry attend tant pour la manne du ciel. Bah caché dis-nous, réunion t'es chaud en dedans conseil là. La Russie, comme d'habitude, l'y intervenu dans le dossier Haïti. L'y passe prend Madame Alim qui était lui-même avant intervenu. L'y passe prend Ariel Henry dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et profite de l'enjeu doit être bien long sous quantité, sous dividal sanction, l'y aux États-Unis, Canada apprend là. M'bral bo tout détail, yon pral tende, yon pral gade tout bagage sa teye dans le Conseil de sécurité des Nations Unies dans un petit moment. Question. Est-ce que Ariel Henry pral gagner pour le quitter tête pays avant l'année fini? Hier, on gros réunion qui organisé dans l'hôtel Caribé côté Ariel Henry, t'a pral rencontré avec différents représentants partis politiques, organisations populaires avec des séries de moun dans société civile. Côté on t'a pral signé un compromis national. Et dans compromis national ça, gagné un conseil de transition qui pral mettre campé. Gè trois noms, trois moun qui nommé pour représenter pays dans conseil de transition ça. M'bral bo tout détail, m'bral konn qui est yo, ou pral konnen est-ce que Ariel a préparé sortil. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui dans l'émission pour là mon éditorial avec Yannick. Comme d'habitude, moi là pour porter information pour vous, traiter information avec vous non souci pour être connecté pour pas rater aucun détail de ce qui a passé en dedans la République. Et nous connaissons déjà, nous connaissons depuis commencer l'émission, faut moi tout annoncer nos projets fin d'année, ça extrêmement important. Moi toujours dis nous les m'a continuer dis nous gagner plus bonheur, plus satisfaction dans aider, dans supporter moun qui dans nécessité, dans supporter moun qui gagne besoin. Et bien pour fin d'année là, nous penser à bay moun sa yo qui dans nécessité, moun sa yo qui dans besoin, nous viser un groupe moun, un groupe personne handicapée, un groupe moun qui a mobilité réduite, c'est permettre yo boire sous 1er janvier. Aide yo pour yo boire sous plan, porter sous plan la caillou sous table pour yo même, pour yo ka bénéficier au moins yon bagay qui ka fait au sorti. Yo a vivre tant que moun, yon bagay qui ka fait yo, gen l'autre moun ka penser avec yo, gen l'autre moun ka penser pour yo, pendant que l'État lui-même abandonné yo, pas assumer responsabilité. Donc, dans l'idée ça, ou même qui veut supporter l'initiative là, qui veut supporter projet là, pour nous faire que moun sa yo content pour nouvelle année là, maintenant nous relèm, écrit dans numéro émission pour dire comment m'a aidé, mais qui ça m'a fait, et bah, petit pas chiche, nous connaissons déjà, c'est pas bah, même, c'est lui même qui dit, qui choy. Et nous pas perdre du temps après entrer dans l'émission. Dossier haïtien, son dossier qui a bail en pile fil à retordre sous scène internationale. Depuis le Ariel Henry, il te fait demande officielle pour communauté internationale, pour Nations Unies, te voyer une assistance militaire en Haïti. Et bien, il y a un paquet de pays, gagne différents représentants de l'autre pays, qui ont un comportement Ariel à tout gouvernement là comme un paquet de vagabonds, un paquet de monde qui n'est pas prêt pour la bataille pour défendre l'intérêt Haïti, mais plutôt qui a marchand de stabilité pays, qui a marchand de sécurité chaque grain haïtien sous échelle internationale, pas bon côté des pays tant que les États-Unis et Canada. La Russie, non. Démarches, yo toujours fait, dans tout dossier qui concerne Haïti, dans tout ça qui concerne Haïti, en le Conseil de sécurité des Nations Unies, même avec la Chine, yo toujours privilégié solution à l'haïtienne. Problème, non, c'est problème haïtien lié. C'est acteur politique qui crée problème, non. C'est acteur économique qui ont même son part dans problème, non. Que tout le monde chita ensemble, entendre ensemble pour chercher solution avec crise pays. Question pour États-Unis, Canada, l'autre pays, à immiscer dans la vie politique de leur pays, là aussi toujours ça très très mal, et yo pas jamais qu'à comprendre comment faire. Gagne une certaine facilité par bon côté acteur nous yo, par bon côté dirigeant nous yo, pour yo toujours demander même communauté internationale ça, même pays tant qu'aux États-Unis, Canada, on bonne partie dans la société à chaque jour.
à plonger l'ouest sur eux comme une qui responsable malheur nous, comme une qui cache derrière toute instabilité qui est là. La Russie toujours est très mal pour même haïtien, pour même autorité ça va demander des pays tant que États-Unis et Canada aide pour venir fourrer bouche dans causer la caillou. Et bien, par rapport avec situation ça, hier dans réunion, t'es gagné Jean-Victor Généus qui était là. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères là, il était débarqué là, il monté Washington, il y allait là le rencontrer et avec différents autres diplomates qui tap débattre sur le dossier Haïti. Comprenant que yo t'a pral joindre yon avis favorable, comprenant que tout bagay t'a pral bien passé pour yo, c'est tandis yo t'a pral tande oui intervention militaire la fait. Eh bien, sans perdre du temps, bon faire nous tande intervention représentant Fédération Russie, dans façon dont il est intervenu dans le dossier haïtien, façon dont il est passé pour Ariel Henry, avec irresponsabilité, face avec irresponsabilité, face avec manque de cohérence, face avec mauvaise foi, mauvaise volonté pour mettre stabilité en dedans pays. Journée aujourd'hui, il faut comprendre que l'insécurité qui est en Haïti, c'est international qui a résolu, alors que même pas en foi, même gouvernement Ariel Henry, yo pas tenté assumer responsabilité pour yo di voilà, mais qui ça nous gagne comme plan stratégique bien défini pour nous accompagner PNH. Yo pas fait parce que toujours dit nous, l'aime toujours clair sur position, c'est même yo même à travers CSPN, non c'est même yo même qui a financé violence, a financé instabilité en dedans pays. C'est eux même qui gagne à côté sa gang, c'est ministre justice, ancien ministre justice, c'est ancien ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Ariel Henry. Comment qu'a attendre stabilité, comment qu'a attendre sécurité dans mes groupes moun sa yo. En outre, représentant Fédération Russie et puis n'a pour retourner avec dossier madame Alim là parce que gagne journaliste Kim Ives, lui-même c'est fini, il finit avec madame Alim, lui-même fait madame Alim passer pour un gros maman. Babdi. En tout cas, on attendait et puis après, on va retourner pour cette émission. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions la vice-secrétaire générale Amina Mohamed ainsi que la représentante spéciale Hélène Lalim pour leurs exposés. Et nous sommes reconnaissants aux journalistes américains, notamment à AI Liberté, Kim Isve, pour son éclairage très intéressant et très candide sur la situation dans le pays. Nous estimons qu'il est très utile d'inviter en Conseil de sécurité des experts qui peuvent nous donner des informations complémentaires qui nous permettent d'examiner les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité sous différents angles. Nous saluons également la présence parmi nous aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, mais également de la République dominicaine. Aujourd'hui, l'on a entendu beaucoup d'informations sur la situation qui prévaut en Haïti et nous n'allons pas les répéter. La gravité de la crise politique, économique et humanitaire qui sévit dans le pays est évidente aux yeux de tous. Il est également clair qu'il n'existe pas de formule toute faite pour régler la situation et remettre le pays sur la voie du développement durable. Des solutions précipitées pourraient apaiser, mais pas guérir, les peines du peuple haïtien tant meurtri. Preuve en est le déblocage du terminal pétrolier que l'on a présenté quasiment comme la solution à tous les problèmes. Mais comme on le voit, cela n'a pas amélioré l'accès de la population aux biens de première nécessité, aux services, comme on l'attendait depuis si longtemps. Nous et une grande partie des Haïtiens doutons que le déploiement éventuel d'une force militaire internationale pourrait modifier profondément la situation. Afin d'adopter des mesures efficaces, il est important de bien comprendre toutes les raisons de la situation actuelle qui prévaut en Haïti. La crise chronique de l'État, l'effondrement socio-économique, le délitement des institutions et du droit dans cet État insulaire
sont principalement le fruit d'une manipulation politique étrangère pendant des années. La responsabilité historique à cet égard n'est endossée pas seulement par Washington, qui s'est immiscé à plusieurs reprises dans les affaires intérieures de son pays, mais également, notamment par le biais de la force militaire, mais également Paris. Car c'est la France coloniale qui, pendant plus de 100 ans après la libération d'Haïti, a reçu des paiements pour l'indépendance au moyen de chantage et d'ultimatums militaire. Et c'est d'ailleurs le seul cas dans l'histoire où des anciens esclaves libérés ont dû être forcés de payer leurs oppresseurs. Des sommes colossales, équivalentes à des milliards de dollars d'aujourd'hui, sont tombées dans les poches de banquiers français ou de propriétaires de plantations au lieu de contribuer au développement de ce jeune pays pauvre. Aujourd'hui, les anciennes métropoles ont changé de méthode, mais n'ont pas modifié leurs approches coloniales. L'ingérence dans les affaires intérieures de l'Haïti se fait en imposant des décisions ou en plaçant des personnalités politiques en dehors du cadre juridique de l'État. Et dès lors, il n'y a pas d'autorité légitime, c'est-à-dire constituée dans le cadre d'une constitution nationale. Et l'implication constante de la communauté internationale dans les affaires d'Haïti a engendré chez les élites un sentiment de dépendance et que tout est permis. Sentiment que l'avenir ne dépend pas d'élections, mais plutôt du bon vouloir de protecteurs ou de parrains extérieurs. À cet égard, le principal objectif de la communauté internationale est de contribuer à l'amorce d'un dialogue politique pan-national afin d'élaborer les règles du jeu pour former des autorités légitimes. Les forces politiques haïtiennes, au pouvoir mais également dans l'opposition, doivent faire montre d'une attitude constructive afin de faire le ménage dans leur maison. Nous sommes étonnés de ne pas entendre des États-Unis ce message politique pourtant si évident adressé aux élites au pouvoir en Haïti. Les États-Unis s'empressent de qualifier d'anticonstitutionnels les autorités de certains pays d'Amérique latine alors qu'ils protègent jalousement les régimes qui leur sont loyaux dans d'autres pays. En effet, n'existe-t-il pas dans la région une charte démocratique interaméricaine en date de 2001 qui énonce des critères clairs définissant une rupture du processus constitutionnel et prévoyant les types de réactions internationales dans ces cas-là? Où est la réaction, conformément à cette charte, par rapport à la légitimité très douteuse des autorités en Haïti? Nous savons comment agit Washington lorsqu'il souhaite soumettre un nouveau pays par des sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins deux anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Ice doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse, l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti.
Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC. Enfin, il est essentiel non seulement de déceler, mais également de tarir l'aide financière et matérielle aux bandes armées, notamment par le biais du trafic d'armes et de stupéfiants, qui garantissent la survie des criminels et constituent la principale raison d'absence de l'ordre. Quant à nous, nous sommes prêts, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à continuer de veiller à ce que les Haïtiens jouissent non seulement de l'ordre et du droit, mais également d'un processus politique libre, démocratique, d'un développement économique durable et de la prospérité. Et cela est important pas seulement pour Haïti, mais également pour la République dominicaine en tant que voisin direct d'Haïti. Et la situation en Haïti est extrêmement importante pour la République dominicaine et j'en veux pour preuve la présence du ministre des Affaires étrangères de ce pays à la présente séance. C'est important également pour l'ensemble de la région. Merci. À nous entendez, représentant Fédération Russie. Bon, tout le monde est clair, t'as coup de l'eau coque. Parce que dans la question politique en Haïti, dans la question nèg qui gagne un poste de responsabilité en Haïti, qui dirige l'État, nous d'accord avec que nèg sa yo son paquet irresponsable, que nèg sa yo son paquet criminel avès, yo pa kèr si population a mouri sous consensio, yo pa kèr jounen jodi an la, si yo a pu utiliser fonction yo pour yo bay bandi, pour yo bay gang possibilité pour terroriser population. Plus bagay sa yo pa étonné yo depuis nèg lan li ka kembe pouvoir, li ka consolider pouvoir depuis le jeune tèt blanche vêtement international nan ki pare pour camper d'elle, pour kembe le sous pouvoir. Y a fait million, y a fait l'argent, y a détourné l'argent, y a pas besoin qu'on ait. Y'a pas besoin qu'on ait, je dis, là, si y'a la cause des milliers de jeunes fuient pays à aller. Y'a pas besoin qu'on ait. Si y'a la cause ou vendre tout sorgue pour courir quitter pays, parce que ou pas qu'à vivre en Haïti, gang à terroriser, y'a pas besoin qu'on balaye comme ça. Depuis y'a qu'à gérer pouvoir, y'a qu'à consolider pouvoir, y'a dit tout le monde allez au vousan, y'a dit tout le monde allez au là-bas, quitter y'a dans pouvoir, quitter y'a gérer pouvoir, sinon je dis, là, faut rien t'a senti bien confortable. Faut rien t'a senti depuis elle prend un grain sous lié, elle t'a une nécessité. Même international, ça, l'après-le, vine d'elle, vine pote de secours, vine voye assistance militaire pour pacifier pays en pour lui. Faut t'a ouais. En dedans, même communauté internationale, ça, gen différents autres pays qui pas d'accord avec action, qui pas d'accord avec comportement sous pouvoir, qui pas d'accord tout avec action États-Unis, Canada fait dans moment là, nan sa ki gen pouwe avec un ensemble de sanctions. Pas oublier. Jodi an la, société haïtienne nan divise, wap gade, suivre pour nous, ouais. Le gen manifestation mouvement populaire qui a fait dans la rue, qui ça nous, ouais. Nous pas toujours un paquet moun qui avec drapeau la Russie. Drapeau Fédération Russe qui a dit vive la Russie, vive Poutine, nous pas toujours tendre, nous pas toujours connaître, surtout dans la manifestation Moïse Jean-Charles. Mais on nous suit bien pour nous, ouais. Malgré les Haïtiens qui a demandé fuck la Russie vienne intégrer dans vie et non ça qui est pour avec diplomatie en Haïti, fuck la Russie gagne place dans l'espace haïtien, eh bien. Même la Russie ça, ils comprennent très mal journée aujourd'hui. Pour gagner un paquet d'autorité qui pas voulait assumer responsabilité yo comme citoyen, comme autorité, comme responsable, c'est moun de yo, c'est blanc y a tan vinn aide yo, c'est blanc y a tan vinn mettre l'ordre dans des ordres la caillou, alors que yo pas jamais moins nécessité qui gagne pour yo tout chita ensemble sur même table pour yo faire intérêt pays yo passer avant tout bagaille, avant ti intérêt mesquin yo, avant kembe pouvoir yo, avant consolider pouvoir yo. Mais là ou si n'a pas les ou des fois faut nous clair, oui, faut nous clair dans l'esprit nous, faut être à l'esprit nous clair parce que pas comprendre n'a dit là ou si vini et puis là ou si li, comme États-Unis, t'as pilon, et nous États-Unis, t'es mettons paquet, et malfrein, d'un petit déjeu sous pouvoir, là aussi, lui-même, les pralvini, là aussi, pralvini, mettez l'autre dans des autres, sans que nous-mêmes, nous pas assumer responsabilité, nous. Journée, aujourd'hui, là, il y a une série de pays, que ce soit Mexique, que ce soit la Russie,
dans différentes interventions la Chine qu'on fait, ils ont toujours priorisé problème haïtien, solution haïtienne. C'est pas une question de blanc, c'est pas une question qui est blanc et d'ailleurs qui groupe blanc cap supporte, etc. C'est une question Haïti, intérêt haïtien, solution haïtienne, chercher mettre tête nous ensemble, acteurs politiques chita ensemble résoudre problème pays nous. Résoudre problème pays nous. Mais je dis, c'est tellement difficile pour nous. Yo parle chita ensemble pour résoudre problème pays. Nous gon pays kap krasé, nous gon pays kap dé pas fini. Et bien par rapport avec situation ça, gagne madame Alim, nous connaît depuis gagne réunion qu'a fait madame Alim li pa pa la. Madame Alim binu, c'est premier instance qui a intervenu dans le dossier haïtien pour le bail rapport. Et suivant le rapport, madame Alim bay, oui, c'est vrai, terminal Varoua débloqué. Mais dès le déblocage terminal Varoua, pas quoi aller mieux. Pas quoi aller mieux. Il constate que le gaz n'est pas jamais vraiment accessible dans toute pompe. C'est vrai, terminal là débloqué. Mais le gaz n'est pas accessible pour tout le monde. Journée aujourd'hui, là, peut pas ici, là, confronté avec résurgence choléra. Choléra, il y a près de 15 000 personnes qui sont infectées avec question choléra. Ça pour qu'on finit. Par rapport avec question gangsta, instabilité, violence criminelle, c'est chaque jour kidnapping a fait, rose kidnapping, kidnapping n'a monté. Yo sans les doux, dans le moment n'a parlé à la, Port-au-Prince, c'est capital kidnapping, c'est centre kidnapping à travers le monde. Avec quantité kidnapping yo doux fait par année, plus que 1000 kidnapping par rapport avec situation. Ça, on l'autre fois, comme madame la lime, n'a fait plaidoyer pour reprendre. Pour blanc envoyer intervention militaire sans réellement dire sans rien attendre non. Et bien qui Kimaïs dit même qui t'a intervenu, il était représenté journal Haïti Liberté. Il passé, il prend madame la ligne. Non, non façon journaliste il intervenu, c'est honte, il était honte pour dire madame la ligne son machin de lettre. C'est honte, il était honte pour dire madame la ligne son bativote. Parce que premier bagaille, il fait approche que madame la ligne c'est madame la ligne qui t'est fédéré G9 famille alliée. Et nous connaissons ça, son vérité absolue. Son vérité absolue liée sous Jovenel Moïse, madame Alim, li décide pour qu'après contrôle et question gang dans le pays, yo fédéré G9 en famille alliée. Et une fois le film fait, li monte Washington, là, le bon rapport sous G9, depuis les G9 fédérés, violence criminelle l'a baissé, depuis les G9 là, et gen moins cas de kidnapping, etc. Le ça, li te approuvé que, coalition G9 famille alliée journée jodi a la avant États-Unis parler avant Canada parler yo dou y a sanctionné barbecue ceci barbecue cela comme quoi barbecue gèlè kon prend avion monter Miami monter Washington à acheter zam. C'est même madame Alim ça un certain moment qui t'a fait promotion pour G9. C'est même madame Alim qui t'a fait promotion pour barbecue pour Jimmy Cherizier alias barbecue. Kounia pose des questions qui s'est passé à qui moment divorce sans mettre pied. Ça fait journée jodi an la madame la lim li divorce à G9, li divorce à barbecue. Avant le parler c'est mauvais rapport pour le bail. Avant le parler c'est doux que coalition G9 son coalition gang. La quitte ça pour moi pour vous pour l'autre qui pour dire nèg yo gen zam illégal nan men yo. Mais on moun qui te considéré coalition ça comme seule option pour te rétablir sécurité en dedans pays, comme seule option pour te rétablir la paix en dedans la République. Journée jodi an madame la lim li pa kal bay mauvais rapport de G9. Ça nous clair sous lui. Eh bien, là qui m'a li réagir continuer dans et dans discours la fait pour exposer à Conseil de sécurité des Nations Unies problème que Haïti a confronté en dedans pays et demi vérité que madame la li m'a baillo et ça qui pire dangereux li nous préférons moun vini le bo menti li bo menti ou connaît li connaît son menti ba ou connaît son menti ba li ba ou tout. Au lieu que moun nan vini le bon demi-vérité, la bon petit bout de parole et puis la serre tout reste parole là pour lui. La serre tout reste parole là nan fon keli et puis la bon petit bout de la dalle. Ah mon chèm bakache di nou, ki maïs, c'est fini le fini avec madame la li. Bon fè nou ta don ti extrait la dalle, wap comprenne pi bien sa ma palo la. D'aider le peuple haïtien. On vous a également dit que l'une des plus grandes alliances des bandes criminelles dans la capitale a bloqué le plus grand terminal. Why does madame... Premièrement, que veut dire Madame Lalime lorsqu'elle parle de bandes organisées criminelles, mais qu'elle ne
qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel. Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversations téléphoniques avec Joseph-Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henry a congédié un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalim, est une fédération dirigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Varo, ont été érigées en solidarité avec la fermeture nationale, la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Mme Lalim a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une semi-vérité. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalim a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avaient convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère, qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Les auteurs, ceux qui proposaient cette intervention étrangère à Haïti connaissent très bien l'opposition des Haïtiens. Ils savent très bien quelle est la situation. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Haïti, Pamela White, a laissé entendre ce mois-ci que le gouvernement Biden allait déployer 2000 individus pour faire appliquer la loi en Haïti. Certains responsables ont également envisagé de déployer des petites unités de forces spéciales pour former la police haïtienne. Comme au Vietnam, début des années 60, ceci risque d'avoir bien des conséquences. Il est à noter que, encore une fois, Pamela White a recommandé lors d'une audience au Congrès en mars 2021 que le président Moïse soit mis de côté et que Washington privilégie une option de premier ministre. Nous savons ce qu'il en est. Cette dynamique de pouvoir est d'autant plus et ce qui est le plus alarmant en ce qui concerne la situation en Haïti aujourd'hui. Des acteurs étrangers décident ce que les dirigeants haïtiens devraient avoir et un premier ministre sans aucun mandat populaire ni juridique foule au pied la Constitution. Maintenant, des pays étrangers se demandent si une autre invasion militaire pourrait sauver les Haïtiens d'une catastrophe humanitaire. Nous sommes convaincus que la situation ne peut pas être réglée par une intervention étrangère. Les Haïtiens, agissant en toute souveraineté, doivent pouvoir régler leurs propres problèmes. La seule chose que l'ONU ou une autre entité étrangère pourrait faire, c'est d'apporter à Haïti un soutien économique non intéressé pour reconstruire l'économie, les institutions politiques détruites par 3 décennies de coups d'État, d'intervention militaire et d'austérité néolibérale. Nous demandons au Conseil de respecter les principes consacrés dans sa charte, notamment l'article 7.2 qui indique que rien dans la charte ne doit autoriser les Nations Unies à s'ingérer dans des affaires qui relèvent essentiellement des compétences internes d'un État. Je vous remercie. Je remercie M. Ives. En tout cas, nous tendez nous. Ouais. Là, il y a des gens qui commencent à poser des questions pour qu'on ait. Est-ce que Kim Ives, est-ce que le représentant G9 en famille alliée
à l'échelle internationale. Il y a des gens qui posent des questions. Bon, on média là, bon journal qui relève Boucan News, qui a écrit un article sur question ça, pour qu'on ait et qui lien soi-disant qui m'a installé avec G9, avec barbecue. Mais vérité, en faut qu'il parle. Hein? Vérité, en c'est tout le temps abdil. Mais ça qu'arrive, zore nèg yo bouché, yo pa vle accepter vérité, yo pa vle admettre vérité. Mais ça te fait. Ça te fait. C'est madame la ligne, c'est Minu qui t'a supporté G9, qui t'a créé G9. Joune jodi an la, faut que yo assume responsabilité yo, faut que yo accepte échec yo tout, et faut que yo assume part de responsabilité yo gagné. Non, bay gang j'arrête en dedans pays. C'est ça qui est plus difficile pour nèg yo accepter. C'est ça qui est plus difficile jodi an la pour madame la ligne, pour communauté internationale l'accepter, non mais madame la ligne. Oui. Accepter que G9, journée aujourd'hui là, lycée principal problème paysan. Mettez G9 comme principal problème paysan. Jean et madame Ali m'a fait là. C'est pour yon ka fui toute responsabilité yon gen. Non, augmentation gang, non, augmentation crime, non, augmentation paquet d'actes violence ka fait en lieu de paysan. Si madame Ali m'a pas j'en sot kote sorti pour l'une fédérer G9, te ka toujours gen gang sa ou kap opere chaque moun nan bo pa yo, mais yon pas d'ap gen toute puissance sa, yon pas d'ap senti yon gen tout poisson nan balance. C'est responsabilité madame Ali, c'est faute madame Ali, faut nous pas peur d'il. C'est fort madame la lim, journée jodi an la, faut nous ta commencé faire des pétitions, faut nous ta commencé monter des organisations porter plainte pour madame la lim, pour l'assumer responsabilité, pour assumer ça le gagner comme faute. N'a fédérer, n'a monter coalition gang nèg exam illégal. À travers minute, nous ka dit que yo légalisé G9 en famille allié, yo légalisé zam qui nan menèk zam parce que c'est yo qui te reconnaît li. Qui dit madame la lim dit binu, qui dit binu dit international la point boule. Eh bien, qui mais dit nous te connaît déjà, eh bien. On y a n'a pas ni qu'accepter, n'a pas accepter comme parole l'évangile et puis nous fini. L'autre dossier qui est extrêmement important, c'est dossier premier ministre Ariel Henry. Eh bien, dans ce moment là, Ariel Henry li genye des consultations la fait, li genye des rencontres la fait à différents personnalités, différents acteurs en dedans, la vie politique, la vie sociale pays. N'a regardé dans ti photo là, nous depuis ce côté qui gen dialogue politique, depuis ce côté qui gen chita parler politique, on toujours a jeune des moun sa yo. Kokota Figaro sa yo pa pala. Majorie Michel André Michel, yo pa pala. Fok yo la pour yo konnen réunion ça, rencontre ça, à quoi ça pourrait passer, est-ce qu'il y a toujours dans le pouvoir? Est-ce que l'intérêt y a toujours protégé dans le pouvoir? Parce que, pour vous, mesdames, ça a fait 4 ans de le pouvoir, pour vous, mais pour vous recevoir sous son mode, il n'y a pas d'accord, aucun au conseil de transition, vient craser espoir, vient mettre au blanc d'attente. Jamais! Réunion lancée pour un, rencontre lancée pour deux, sous table, premier monde qui atterrit, c'est Marjorie avec André Michel. Eh bien, qui objectif rencontre si là dans Caribé Hotel hier? Eh bien, premier ministre Ariel Henry, dans ce moment-là, gagne différentes consultations qu'a fait. Dans l'idée pour yon mettre campé, yon gros conseil de transition. Au conseil de transition, ça, gen moun ka mande est-ce que son nouvelle transition dans la transition liée? Est-ce que trois moun sa yo qui désigne là, trois non ça qui sous table là, est-ce que c'est yon même qui pral gagne ren pays en tête pays en nan men yo? Qui sort elle a préparé là dans moment n'a parlé depuis l'ambassadeur Canada auprès des Nations Unies est rentré en Haïti dans cette délégation Bob Revini pour un Canada États-Unis continuer à demander yo compromis politique yo continuer à demander consensus yo rencontré Montana yo rencontré Pen yo rencontré différents autres acteurs dans société civile dans le secteur économique là et bien journée aujourd'hui là c'est occasion pour Ariel Henry pour commencer à poser signature sur compromis national. Eh bien, trois noms qui sont tapis là comme moun qui pral faire partie de RO et de RO Conseil de transition. C'est qui est-ce yoye? Société civile là, bah yon membre. Classe économique, le secteur privé a yon proposé yon nom. Et nous gagnons secteur politique là qui propose yon l'autre nom. Nous connaissons qui quantité goumé, qui quantité bataille qui te fait avec, peine modifiée, gré, etc. Pour yon te jouen nous entendre, pour yon te fonchit à parler à Yuri Latortu, Lambert, etc.
pour yo te wè comment yo te ka retirer pays en côté li là après yo fin prend gros calotte magasin ça après SDP André Michel fin trahi yo André Michel ay avec Majori nan pouvoir et puis s'entendé à Youri et Lambert tout nèg sa yo dehors yo dehors pouvoir yo pas sous son mode comme y a par rapport avec situation ça nous songe avant assassinat Eric Jean-Baptiste yo t'a parlé de on et d'un accord historique. Je t'ai parlé d'un consensus historique, un accord historique, bah, qui peut que j'en fais dans la République. Et bien, c'est dans des manches, ça, Éric Jean-Baptiste. Et avant, yo assassiné Éric Jean-Baptiste, pas, même, y est, fin, fait dernier setup, yo, pour yo te voir comment yo t'a pral abouti avec un résultat final. Et bien, hier, c'était occasion pour Ariel Henry rencontrer avec différents membres dans la société civile là. Dans quel objectif? Dans l'objectif pour yo te vinn déposer signature, pour yo vinn signer d'accord pour un compromis national. Bah qui pour que j'en fait et Ariel sous Twitter là moi la fait gros promotion. Bah qui pour que j'en fait dans l'histoire et c'est première fois nous prajou nos consensus national etc. un compromis national côté différents et acteurs en vie nationale là, secteur politique, secteur économique, société civile, pral mettre tout ego de côté, y a suspendre machin de avenir pays. Il y a suspendu hypothèque à venir génération future yo mais froid ça va le penser pays yo va le penser génération future etc etc. Et bien qui est moun sa yo qui désigné a yo ye? Premier moun société civile l'a désigné là c'est pasteur Calix Fleuridor. Pasteur Calix Fleuridor c'est lui même qui président fédération protestante d'Haïti. Information qui rejoint parce que depuis le et depuis le donné ça va circuler information arrivé jeune moi mal mené une enquête moi m'apprendre que pasteur Calix Fleuridor son pasteur sans comment on dit son pasteur sans pastorat ça veut dire son pasteur sans l'église son pasteur on dirait il pas gain ministère il pas aucun tout pour la mener il pas gain brebis égaré il a chercher il pas chercher les âmes perdues il seulement représente secteur protestant, il est président fédération protestante d'Haïti, c'est lui-même qui a baillé le temps. Journée jodi an là, yo désigné le société civile l'a désigné pour faire partie de gros conseil de transition qui a gagné pour le mener bac pays. Deuxième personnalité que secteur économique là, bien entendu les secteurs privés a, yo désigné, c'est Laurent Saint-Cyr. Laurent Saint-Cyr, notre dernier note de presse que secteur privé a été mis dehors, là, il y a un nom qui a signé. Il a représenté Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest. Ça nous relève CCIO. Il a signé. Mais l'information qui arrive à joindre moi fait qu'on est que Laurent Saint-Cyr a proprement parlé, il n'a pas fait partie de secteur privé. Il n'a pas fait partie de secteur privé, mais il représente un groupe monde dans le secteur privé. Dès pour Laurent Saint-Cyr, automatiquement, ouais, et ici. Ouais, Banque de l'Union Haïtienne BUH. Ouais, comment il s'appelle déjà? Ouais, Olivier Barreau. Depuis Olivier Barreau, automatiquement, ouais, ici, ouais, BUH, etc. Mais, gros bouche loup, il a commencé là, pour qui ça? Parce que Laurent Saint-Cyr, il a considéré, et comme un monde, nous a dit son job, il y a dans le secteur privé. Ils sont éléments de dans secteur privé, ils représentent un groupe moun dans secteur privé, mais à proprement parler, li pas représentatif comme si lui-même en tant qu'individu, lui-même en tant qu'entrepreneur, lui-même en tant que businessman. Non. Li là, li représente un secteur, li représente une catégorie moun, li fait affaire avec yo et ça fait journée jodi an, l'on a parlé de quelques institutions dans le pays, institutions privées, financières, l'on a parlé de BUH, l'on a parlé de EIC, ou ouais, Laurent Saint-Cyr, c'est comme sous te ouais, PDG, c'est comme sous te ouais, Olivier Barreau. Kounye ya, question moun a posé, Laurent Saint-Cyr, c'est pas moun qui pi influent dans le secteur privé, hein? Si je ne dis pas, secteur privé a qu'à désigner, le secteur des affaires a qu'à désigner Laurent Saint-Cyr, pour yon mettre le devant à le représenter dans le conseil, dans le conseil de transition, c'est parce que son homme de confiance. Son monde que secteur privé a gagné une certaine confiance dans lui, son monde yon fait crédit, son monde tout, yon gagné de très bonnes relations d'affaires avec lui. Parce que nous connaissons comment n'exagérons, comment yon présent dans la question pouvoir en Haïti, qui quantité l'argent yon kon dépense nan supporte gouvernement, nan supporte pouvoir, bien candidat pour aller dans l'élection, pour yon ka toujours bénéficier franchise, pour yon ka bénéficier franchise au-delà de durée légale, pour yon ka genou ensemble de privilèges en dedans la République, pour yon ka exonérer au-delà de douane, etc.
Donc si je ne jodi an la, secteur privé, classe économique la ka désigné acteur ça pour al représenter yo nan future transition que Ariel Henry gen pour mettre sous pied là, c'est parce que quelque part li son bon grand joueur pour yo. Donc ça mande pour nous enquêter beaucoup plus sous lui, ça mande pour nous approfondir recherche nous sous lui pour nous voir qui lien qui connecte le carré en des séries de gros nèg, gros bras, gros mafia, gros palto en dedans secteur privé des affaires là. Et pourquoi pas même nèg ça aujourd'hui jodiant là, yo sanctionné États-Unis et Canada sanctionné. Troisième personnalité qu'on y a, cap gen pour représenter secteur politique là, c'est Mirland Maniga. Madame Maniga, nous connaissons le passé de présentation. Madame Maniga est candidat malheureux dans l'élection qui était faite, qui était opposée là avec Michel Martelly, etc. Eh bien, je vous dis, en secteur politique là, gagne l'idée pour ta désigner comme membre qui pour représenter yo dans le conseil de transition Ariel Henry. Déjà, faut moi dire nous, moi viens avec listing là pour nous avec listen. Je cherche ensemble des formations sous personnalité yo pour me partager avec nous. Pas aucun problème, au contraire. Si moun sa yo te ka vini pour te changement dans te pays, li tap pi bon toujours. Premier bagay pour me dire nous, pas y a aucune garantie que le conseil de transition ça l'ol monte que Ariel Henry a quitté pouvoir. Ça c'est premier bagay là. Deuxième bagay là. Ariel Henry, s'il accepte pour le cohabiter avec le conseil de transition, c'est suivant ça lui-même libre à le gagner comme agenda. C'est suivant ça lui-même libre à le gagner comme principe. Parce que nous, ouais, à plusieurs reprises, nous gagnons, t'es gagné Montana, oui, qui t'es gagné, conseil national de transition. Ariel pas de jamais voulu collaborer avec eux. Yo froid pour qui ça? Parce que, yo a mandé pour la rendre d'être à la justice dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Nous pensons, journée jodi an là, par rapport avec position déjà, bien avant que au conseil de transition ça t'a parlé, position madame Maniga dans ça qui vient pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, par rapport avec mauvaise gestion que Ariel Henry a fait sous pouvoir, qui ça le fort Ariel Henry quitter pouvoir, etc. etc. Nous pensons aujourd'hui en cohabitation possible. Nous pensons cohabitation possible entre trois secteurs avec Ariel Henry, pendant que yo-même, yo a pour boy a fait affaire par eux, puis Ariel Henry a on boy a préparé l'élection. Parce que tout d'abord, ça, Ariel Henry a fait là. C'est parce que Blanc, Monsieur Leblanc, lui a demandé que l'année 2023 soit une année électorale. Avle dit que vle le ko pa vle Ariel a obligation pour l'organiser élection d'ici fin année 2023 qu'a venu là. Donc jodi an là Ariel Henry a joué toutes zèl kat li gen. L'a mette des stratégies, l'a mette des pions sous table là pour garder lui-même. Est-ce que li ka rive collaborer avec différents structures en dedans pays? Non seulement structure ça ou important pour monter en CEP, mais l'organiser des séries de moun que société accepte, que différentes structures, organisations, partis politiques acceptent, voyez, viennent nous représenter au conseil de transition. Ça veut dire déjà qu'on a certaine légitimité, loi monter CEP, yo pas d'accord. Yo pas dit que c'est CEP champ pour loi monter. Yo pas dit que c'est CEP pour monter, c'est affaire pour faire dans coin pour. Vous comprenez? Donc là, préalablement, Ariel Henry l'a fait sale doué, ça le mérite faire et son bon idée pour lui. Son très bonne idée pour lui, son Ariel Henry là, c'est pas la moun intelligent à faire là. Bénéficier, journée jodian là, de légitimité en au conseil de transition. Moun sa ou accepte vin dans conseil de transition, c'est des moun que société a pral accepte, pral bat bravo pour yo. Ariel Henry l'a gagné toute légitimité pour le monter en CEP. En CEP que moun sa ou pral approuve, et automatiquement yon approuve, boit calé vers les élections. Des séries de moun qui dit Ariel Henry pral fait élection pour PHTK encore. Et gen moun qui dou matin li décide retourner dans te pays. Yon tellement ouais des séries de informations qui circulent sur les réseaux. Des fois, m'a demandé tête moi, est-ce que nous conscients avec information ça on a partagé? Matéli décide retourner dans te pays. Qui paye? Qui est-ce qui pral prendre ça dans mes Matéli? Faut que nous ta sans honte, on ne veut plus. Oui, pour nous ta accepter journée jodi an là. Et Matéli, oui, on les parents non. Et pas l'autre monde, on les parents ni vefriel. Donc ça veut dire Matéli, oui, société a
opinion publique, la clameur publique, là, dit qui livre Jovenel, qui permet de assassiner Jovenel Moïse. Donc, déjà, là, nous t'avons accepté, nous t'avons toléré dans notre pays, il faut que nous t'avons 50 pile. Nous accusons PHTK comme monde qui gangsterise le pays. Comment nous t'avons fait continuer avec même PHTK? Nous accusons PHTK de gargoter l'argent pétro-caribia. Comment nous t'avons fait accepter un groupe monde qui dilapide, qui gargote l'argent pour développement pays? Jamais, ou jamais. Donc, faut que nous repensions bagay yo, faut que nous restructurions idée nous penser nous pendant n'a pas information faut que nous ka analyser pour public comprendre pour yo wè côté yo et pour yo wè côté nous prend parce que nous pas venir acheter ça et comme on dit chat dans ma coûte nous pas acheter chat dans ma coûte non mais aucun nèg journée jodi en là noir sur blanc yo dou intel faut aller chercher kon ki est intel lié qui passe qui présent et qui cercle qui entourage parce que ça est extrêmement important nous fait différentes expériences déjà nous fait diverses expériences avec différentes catégories moun dans pays dans des postes de responsabilité sous base que moun nan gen belle figure moun nan toujours avec moun nan c'est moun qui reprend moun qui respecte moun yo toujours parler bien de lui mais nous pas jamais qui ça le fait nous pas jamais résultat le bail et journée jodi nous prenons un paquet coup de balle nous prenons un paquet de série de nèg tête pété en dedans l'état qui plein poche qui fait l'argent passer dans pouvoir déjà en dedans pays là des série de nèg qui fin plein poche sous Jovenel yo plein poche sous Matéli yo plein poche sous Jovenel journée jodi là même yo même encore oh yo c'est pigo ennemi Matéli même encore, oui, qui t'a participé dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse. C'est pas parce que juge d'instruction pour qu'on rive son paquet nègre pour nous penser tout nègre qui a dit, journée jodi à la justice pour Jovenel Moïse. C'est vérité, non? Gèdè série de moun to ou to nan dossier assassinat sa. Le juge d'instruction commence à rele, yo rale zoreille, yo met pinot nan. Mais on a saisi pour nous, c'est pas tout moun qui t'a prele justice pour Jovenel Moïse qui t'a besoin de justice pour Jovenel. Vous comprenez? Donc, faut que nous vigilons. Lila li ta pou nou suspend acheter et chat nan sac. Genou kale se gati moun nouye. Donc nou wè n'a parlé, nous wè n'a dénoncé pas les questions. J'ai wè bouche pé encore. J'ai wè bouche parler parce que nous besoin l'autre société qui ka abouti avec un autre pays. Société nous gen là, li pa mené nous nulle part. Société nous gen là, c'est dans tout n'a rentré parce que haïtien journée jodi an là, nous pa konnen ça nous gagne comme responsabilité, nous pa konnen ça nous gagne comme droit, nous pa konnen ça nous gagne comme devoir, nous pa konnen ça nous gagne comme obligation et le nous face avec un peuple majoritairement ignorant entre guillemets, obligé de dire nos vérités en janvier, nous pas qu'à espérer grand chose, nous pas qu'à espérer stabilité, nous pas qu'à espérer respect de l'homme, nous pas qu'à espérer nos sociétés comme ça, que chaque grenaïs est qu'on doit, sous qu'on doit, ça veut dire qu'on les droits, les zéro, qu'on est leur marché sous droit, leur viol les droits, leur marché sous pio, bon, nous pas qu'on est droit, nous, majorité société, majorité moun ka vive, et majorité haïtien pas qu'on est droit, yo. C'est comme si le dirigeant ni leur autorité a venu dire comme ça bon me faire un petit tronçon route pour c'est comme si son faveur le fait nous le nous est courant le bail courant kounia c'est comme si son faveur aidé à chaîne parce que nous pas qu'on doit nous sinon pas qu'on doit nous c'est droit me dans un groupe vagabond ça m'a payé pour m'a payer taxe et puis m'a pas qu'à joindre résultat m'a pas qu'à joindre service et puis la caillou même pas gain problème blackout yo gain panneau solaire yo gain inverteur yo gain générateur côté al prendre la caillou secteur privé a nèg sa yo qui pas jamais payé droit de douane yo nèg sa yo qui gain franchise net aller yo en bien pays n'a fait on nous commencer à assumer responsabilité nous et puis après n'a commencer qu'à faire pays n'a commencer qu'à bâtir notre société bon avant m'aller m'bra aller parce que et m'parle en pile faut m'bawon petit break m'a rappelé au projet a pour clôturer chapitre là clôturer émission pour jeudi a et projet a c'est rivé mes amis supporter yon groupe moun qui handicapé un groupe moun défavorisé bon si gen possibilité pour m'tabay tout moun qui dans nécessité sou pour fin d'année là m'tap content donc pour projet a réaliser pour projet a prendre vie pour prendre corps c'est pas seulement réalisation pas contribution pas support pas c'est support pas nous toutes n'a mettre ensemble et puis n'a regardé qui ça nous ka faire de grandiose qui ça nous ka faire ensemble pour nous supporter moun sa yo qui n'a besoin donc me connais période de fête fin d'année yo c'est en occasion côté que budget en pile c'est en occasion côté que tout le monde a frappé partout porte a frappé en haut porte a frappé à droite des séries de moun on pas tendé depuis bien longtemps tout le monde a pris l'eau ça ka fait et gen moun même
Depuis le 1er décembre, nous sommes rentrés. Ah, ils ont commencé à petit message. Comment ils aiment? Attendons, vous comprenez? Ils ont préparé fin d'année. Ils connaissent la situation. Et nous, tous, nous vivons de situation. Nous connaissons la situation. Nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des proches. Donc, nous pas besoin d'où, comment ça va difficile. Mais, avec le peu que nous avons, nous toujours contents pour nous partager, nous toujours contents pour nous mettre sourire sur les gens qui sont mal, les gens qui sont défavorisés. Et je ne dis pas là, c'est ça qui est dans le cœur, c'est ça qui est sous le cœur pour nous faire. Projet pour nous faire, pour projet pour nous faire sous plan. 31 décembre, 1er janvier, pour nous faire sous plan, c'est important. Puis, même qui veut supporter le travail, qui veut supporter l'initiative, relève mes crimes dans le numéro d'émission pour dire, mais qui ça m'a fait, mais comment m'a fait. Déjà, m'a dit merci. Et rendez-vous à casser 7h boule avec Foucault pour reste programmation. Hein? Restez connectés. Bon éditorial. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Bon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, oui, c'est Chanel Paola pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.